coup, ben, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Aquabids. Du coup, on va vous présenter le coffret Deluxe Création, la mallette avec plein de couleurs et de quoi faire les éléments et les figurines en petites perles de plastique. Vous allez voir, c'est super sympa. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Alors, la mallette se compose donc d'une boîte avec une petite poignée. Donc là, oh lolo, il y a tout le matériel à ranger avant de pouvoir s'en servir et les modèles, bien sûr. Donc, on a tous les compartiments et on a la partie où on va créer le modèle. Donc là, les filles, je leur demande un petit peu d'aide pour pouvoir m'aider. Et il y a aussi donc la fixation pour pouvoir poser ces créations sur un tableau. Allez, les filles, c'est parti, vous allez m'aider. Moi, j'adore le petit lapin. J'espère qu'on pourra en faire un très rapidement. Il y a plein, plein, plein de modèles, de quoi exercer sa créativité. On va vous montrer. Alors là, on est en pleine concentration. Ça va, c'est facile? Oui, c'est très facile. Bon, bah tant mieux. Et voilà, on arrive à la fin de la baleine. Et Tadam! fini. Alors là, on arrive au moment le plus fun. On va vous expliquer. Maintenant, on va fixer l'élément. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaporiser. Avec de l'eau sur les perles. Un peu plus loin. Voilà. Et on laisse. Ben, on laisse. C'est bon, je pense. Donc, les perles, elles vont se fixer entre elles. Avec l'eau, vous allez voir que les perles vont commencer à vraiment se fixer entre elles. Et du coup, on pourra retirer tout à l'heure la baleine tranquillement. Et ça va faire une vraie petite baleine. À tout à l'heure. On a compté jusqu'à 10 et maintenant on peut retourner rapidement le canevas. C'est parti, boum! Super! Waouh! Bravo! Une Maintenant on a décidé de faire un puzzle avec une baleine et un petit arc-en-ciel. Et ensuite autour on fera des autres choses. Donc on va déjà faire l'arc-en-ciel et appelons magie. Donc maintenant on va laisser un petit peu sécher. On va vous montrer comment réaliser un puzzle. Et on continue les étapes où on va créer encore une pièce de puzzle ici, une ici et une ici. On en refait trois pour vraiment compléter le puzzle. C'est parti. Et donc là, le puzzle est terminé. Il faut juste assembler ces éléments-là. Donc on va retirer un par un. Délicatement. Les pièces qui sont déjà terminées. Hop. Et pchité. Et au bout de 10 secondes. Hop là. Et toutes nos pièces sont prêtes. Et voilà un puzzle sympa et facile à faire avec des pièces d'Aquabids. Amusez-vous! Et regardez, je vous ai fait une autre vidéo avec un autre format pour vous montrer comment on fabrique une petite barrette. Allez, c'est parti! Coucou, aujourd'hui je vous parle de la mallette Aquabids. On va la tester. Donc il y a le support et ensuite le contenant avec toutes les petites billes de toutes les couleurs. On met le motif qu'on veut. Ici, on choisit une petite fleur pour vous montrer. Et il suffit de placer une à une les billes qui sont en plastique et qui vont se fixer entre elles grâce à de l'eau. C'est magique, c'est génial et c'est accessible à tous les âges. Là, je vous montre. Chip, chip, on met un peu d'eau. On attend 10 secondes et ensuite on va claquer. Hop! De l'autre côté, la petite partie, et on attend que ça sèche. Regardez, une fois que c'est sec, c'est génial. On peut faire n'importe quelle figurine et les utiliser comme on veut. Là, j'ai fait une petite barrette pour les cheveux. C'est trop, trop mignon. Et puis pour Isaline, on lui a fait un petit puzzle. Vous allez voir, hop, un petit poisson, un arc-en-ciel et une baleine. Bref, avec Aquabids, l'imagination n'a aucune limite.